Une fois de plus, nous sommes dans la rue unis, la CGT et la FSU, pour rejeter les politiques d'austérité menées en Europe et en France, qui pourraient maintenant se traduire par une nouvelle contre-réforme gouvernementale au sujet des retraites. Il n'y a que dans le département du Vaucluse qu'une manifestation est organisée en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les régions voisines. Face à ces politiques, pour retrouver le chemin du progrès social, le mouvement syndical et le salariat doivent en effet trouver une autre dynamique. En Europe et en France, les politiques d'austérité font la démonstration de leur inefficacité. L'Europe, mais aussi le gouvernement français, doivent changer de cap. En Europe et en France, il est urgent de mettre fin à des coupes injustes dans les dépenses publiques qui contribuent à augmenter le chômage, les inégalités, la pauvreté, dégradent les services publics et aggravent la récession. L'Union européenne a également besoin de mesures mettant fin à la concurrence en matière de salaire et de conditions de travail, à la concurrence fiscale, à la fraude et à l'évasion fiscale. Une nouvelle conférence sociale va se tenir les 20 et 21 juin prochains. Nous nous sommes beaucoup investis dans la préparation de la conférence sociale pour faire en sorte que les sujets majeurs, tels que définis par les salariés, puissent être débattus. Nous pensons qu'il est urgent et nécessaire d'augmenter les salaires et les pensions pour les salariés du privé, mais aussi pour ceux du public. Et là, le gouvernement a une responsabilité en tant qu'employeur pour donner du pouvoir d'achat qui permettra de créer de l'emploi et de la croissance. La CGT va profiter de la première matinée de cette conférence lors de la rencontre avec le président de la République et le Premier ministre pour aborder ces sujets qui ne font hélas pas partie des tables rondes programmées. Le gouvernement va faire la proposition d'une réforme qui ne s'inscrira pas en rupture avec les précédentes, mais plutôt dans la continuité. L'objectif principal sera, une fois de plus, d'équilibrer le financement des régimes de retraite sans tenir compte de la situation réelle des actuels retraités, encore moins des retraités futurs. Pourtant, l'aspiration de partir en retraite dès 60 ans, voire avant pour celles et ceux qui ont été exposés à la pénibilité, avec une pension permettant le maintien du niveau de vie, reste toujours aussi vivace. Dans les semaines, et les mois suivants qui viennent, nous allons devoir œuvrer afin que cette aspiration soit entendue, qu'elle devienne l'axe autour duquel se dérouleront les futures discussions. Nous devons à cette occasion promouvoir nos propositions qui portent non seulement sur les droits et garanties attendues par les salariés, mais également sur les financements. Il est tout à fait possible de financer durablement des retraites de haut niveau à condition de remettre en cause les logiques financières qui privilégient des rentabilités exorbitantes au détriment de l'emploi, des salaires, de la protection sociale et donc du travail. Nous contestons la notion de coût du travail, car le travail produit des richesses, il n'est donc pas un coût. Par contre, le capital, lui, a un coût. La part des richesses versées aux actionnaires sous forme de dividendes pèse de plus en plus négativement sur les investissements. Aujourd'hui, les dividendes versés sont supérieurs aux investissements. Le discours du MEDEF sur la compétitivité vise à masquer sa volonté de procéder à un nouveau déplacement du partage des richesses entre le travail et le capital, au détriment des salariés et au profit des actionnaires. Les dividendes versés sont en France parmi les plus élevés de l'Union européenne, ce qui pénalise lourdement les salaires et les investissements dont nous aurions besoin. Enfin, contre l'idée de réduire les salaires et les droits sociaux, il est souhaitable d'agir pour qu'ensemble, les peuples accèdent à des niveaux élevés de protection sociale et de rémunération en Europe.
Nous avons des propositions pour la retraite. Toutes nos propositions ont pour effet de générer des emplois et donc des cotisations. La CGT propose la mise en place d'une maison commune des régimes de retraite dont la direction sera assurée par des représentants des salariés élus afin de coordonner et de solidariser ces régimes. Pour nous, pour ceux qui la banderole, Europe des riches, il y en a assez. Place à une Europe solidaire. Ce n'est pas en poursuivant une politique d'austérité engagée par le précédent gouvernement que la situation des comptes s'améliorera. Bien au contraire, c'est donner un signal fort du tous pareil en continuant sur la même voie. Les conditions sont réunies pour faire le lit du Front National ou autre ligue du Sud. Notre département est fortement impacté par cette montée de la peste brune qui fait son lit de la désespérance des peuples. Ne pas avoir significativement changé de politique économique et ne pas sortir du carcan de l'austérité est désastreux et dévastateur dans l'esprit des salariés. Nous avons décidé de ne pas rester inertes et continuons à faire entendre qu'une autre société est possible. L'été et la rentrée seront marqués par la mobilisation. La CGT organisera 4 meetings de mobilisation en région. D'ores et déjà, des journées d'action interprofessionnelles unitaires sur les questions des salaires, de l'emploi et des droits à la retraite sont prévues dès la rentrée. Monsieur Hérault, monsieur Hollande, le peuple ne vous a pas élu pour ça et exige une autre politique. La FSU, la CGT et tous les salariés exigent une autre politique. Je vous remercie.